وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous allons commenter la 32e rubrique du deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre qu'il a intitulé « Bab al-Iman ». Et dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari va nous rapporter le 43e hadith dans Sahih al-Bukhari, et dans Tajrid al-Sarih, c'est le 40e, celui donc que vous avez dans le livre. « Babu ahabbu al-dini ilallahi adwamuh. Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan » عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، أو فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه صاحبه. Donc cette rubrique, il l'a intitulée « La meilleure pratique de la religion, c'est celle qui dure dans le temps ». Et il rapporte ce 42e hadith en disant, rahimahullah, « Muhammad ibn al-Muthanna nous a rapporté sur Yahya ibn Hisham qu'il a dit « Mon père m'a rapporté sur » Enfin, plutôt Mohammed ibn al-Muthanna nous a rapporté que Yahya ibn Sa'id al-Qattan nous a rapporté sur Hisham ibn Urwa qui a dit « Mon père nous a rapporté que Aïcha lui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez elle alors qu'une femme se trouvait chez elle. Il lui demanda « Qui est cette femme ?»« Une telle, répondit-elle, elle me faisait part de tout le temps qu'elle consacre à la prière. » Il lui dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, arrête, contentez-vous de faire votre possible. Dieu ne n'arrête pas de vous récompenser tant que vous-même, vous ne vous lassez pas de pratiquer votre culte. Ensuite, Aïcha de conclure, la religion la plus agréable au prophète était celle qui était appliquée par le fidèle avec le plus de régularité. Alors donc, dans cette chaîne de transmission, celui qui rapporte le hadith sur Aïcha radiallahu anha, c'est Urwa ibn Zubair. Puisque Hisham, lorsqu'on dit Hisham, donc il s'agit de Hisham ibn Urwa, il dit « Mon père m'a rapporté ». Et son père n'est autre que Urwa ibn Zubair. Alors, on a déjà vu un hadith qui ressemble à celui-ci, qui parle de l'exagération dans la pratique religieuse. C'est pour cela qu'on ne va pas trop tarder sur le commentaire du hadith. Néanmoins, on va profiter de l'occasion de cette occasion de tomber sur un tabi'i, un successeur qui est très important dans l'histoire des sciences islamiques. Il s'agit en l'occurrence de Urwa ibn Az-Zubair qui a rapporté ce hadith sur Aïcha radiallahu anha. Et donc c'est pour cela qu'on va s'arrêter un petit peu sur sa biographie, rahimahullah. Alors donc, qui est Urwa ibn Az-Zubair? Urwa ibn Zubair est né en l'an 22 ou 23 de l'Hijr. Il y a une divergence entre les savants sur l'année exacte de sa naissance. Donc, il n'a pas, lorsqu'il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort. Donc, c'est pour cela qu'on ne le considère pas comme un compagnon. Néanmoins, il a vécu avec plusieurs compagnons, il a fréquenté plusieurs compagnons, donc on le considère comme un tabi'i, comme un successeur. Son père, c'est Urwa, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. L'un des 10 compagnons auxquels le paradis fut promis, et quelqu'un de très très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère n'est autre que Asma bint Abi Bakr, la fille de Abu Bakr. Donc forcément sa tante
et Aïcha. Sa tante, c'est Aïcha, radiallahu anha. Et lui, il est plus jeune que son frère Abdullah ibn Zubayr, de 20 ans à peu près. Abdullah ibn Zubayr, qui s'est déclaré khalife sur la Mecque ainsi que sur Médine, et qui va plus tard être tué par le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Donc, Urwa, c'est quelqu'un qui appartient à une très grande famille, et qui a vécu énormément à côté de Aïcha, radiallahu anha. Lorsqu'il était très jeune, 13-14 ans, donc il y a eu la bataille de Jamal. Et on a déjà parlé de cette bataille qui a opposé d'un côté Aïcha, Talha ibn Ubaidillah et Zubair ibn al-Awwam, donc le père de Urwa. Et donc, comme il était, et de l'autre côté, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et donc, à cette époque, Urwa était très jeune. C'est pour cela qu'il n'a pas participé à cette bataille. Et d'ailleurs, c'est un côté très important dans sa personnalité, puisqu'il est très, très, scrupuleux. C'est qu'il n'a pas voulu participer aux différentes guerres civiles qui ont opposé les musulmans entre eux. Et il n'a jamais voulu prendre part dans le conflit qui a opposé d'un côté Ali et de l'autre côté Muawiya, ni dans le conflit qui a opposé son propre frère, Abdullah ibn Zubayr, et les Omayyades. Donc il est resté loin des problèmes politiques. Et il s'est consacré uniquement à la quête du savoir et à la transmission du savoir. Alors, Urwa a eu un avantage, c'est qu'il a grandi à Médine, exclusivement à Médine. Et comme vous le savez, c'est à Médine que se trouvaient les grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment pendant la période de Abu Bakr Siddiq, la période de Omar ibn Khattab, puisque ce dernier refusait aux grands compagnons d'aller s'installer dans d'autres villes. Il leur disait, vous devez rester à la Mecque, à Médine, puisque c'est vous qui détenez l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'héritage scientifique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous devez rester à Médine pour que les gens puissent puiser chez vous le savoir islamique. Donc ceci a profité énormément à Urwa ibn Zubayr, et c'est ce qui lui a permis de fréquenter énormément de compagnons. Et à la tête de ses compagnons, il y avait sa tante Aïcha radiallahu anha. Donc de par la proximité familiale, il était son neveu, donc il était tout le temps chez elle. Et c'est ce qui lui a permis de prendre énormément de son savoir et de rapporter sur elle énormément de hadiths. Donc c'est un des principaux rapporteurs de hadiths sur Aïcha radiallahu anha. Au point que Soufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qui est un grand jurisconsulte, a dit « Ceux qui connaissaient le plus les hadiths de Aïcha radiallahu anha sont trois. Il y a Al-Qasim ibn Muhammad. » Al-Qasim ibn Muhammad, c'est le petit-fils de Abu Bakr. Et donc, Aïcha, radiallahu anha, était sa tante. Muhammad était sa tante parce que Muhammad, c'est le frère de Aïcha, mais du côté du père seulement, du côté de Abu Bakr. Donc, Al-Qasim ibn Muhammad, ibn Abi Bakr, Urwa ibn Az-Zubayr, et une femme qui s'appelle Amra bintu Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara. Donc voici les trois personnes qui ont rapporté le plus de hadith sur Aïcha radiallahu anha, qui maîtrisait la science de Aïcha radiallahu anha, parce que n'oubliez pas que Aïcha, comme on l'a souvent dit, était une grande jurisconsulte parmi les compagnons. Et Urwa a dit lui-même, 4 ans avant la mort de Aïcha, de ma tante Aïcha radiallahu anha, je me disais, si Aïcha décède maintenant, je ne regretterai rien. Pourquoi ? Parce que j'ai puisé chez elle toute sa connaissance. Et tellement je l'ai fréquentée, j'ai tout pris de chez elle. Tout ce qu'elle connaissait, je l'ai pris. Donc si, 4 ans avant la mort de Aïcha déjà, il a dit, si maintenant elle décède, alhamdoulilah, j'ai tout acquis d'elle. Donc je n'aurai aucun regret. Bien entendu, il y a le regret de perdre quelqu'un qui nous est cher. Mais le regret de dire, il me manque encore des choses chez elle, ou bien j'ai pas pris certaines choses chez elle. Alors, il n'a pas rapporté énormément de hadith sur son père Zubair ibn Awam, ni sur sa mère Asma bint
Abu Bakr. Bon, son père, c'est parce qu'il est décédé alors qu'il était jeune, donc il n'a pas pu rapporter énormément sur lui, et sur sa mère Asma, parce qu'elle elle-même n'a pas rapporté énormément de hadith. En revanche, Aïcha, comme elle était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par sa proximité, sa jeunesse et l'intérêt qu'elle donnait à la science, donc elle a ramené, a rapporté beaucoup de hadith. Néanmoins, Urwa a fréquenté énormément et rapporté énormément de hadith sur Ali ibn Abi Talib, sur Abdullah ibn Umar, sur Abdullah ibn Abbas, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, sur Al-Mughira ibn Shu'ba, sur Hakim ibn Hizam, sur Zayd ibn Thabit, sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, sur Abu Ayyub al-Ansari, et sur son propre frère Abdullah ibn Zubayr. Et ceux-ci, bien entendu, sont les sommités parmi les compagnons et qui ont acquis énormément de savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc vous voyez, là on est en train de prendre connaissance de cette chaîne de transmission des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu de transmission du fiqh islamique depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux générations qui viennent après. Et il est très important pour que le musulman sache et connaisse un peu la biographie des, bien entendu, des grands compagnons ainsi que des grands tabi'in, parce que c'est cela qui valide l'héritage qui nous est parvenu à travers ces savants-là. Et lorsqu'on voit comment ils étaient, lorsqu'on voit leur fiabilité, lorsqu'on voit leur piété, on est rassuré qu'ils ne pouvaient en aucun cas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou mentir sur ses aïeux desquels ils ont rapporté des hadiths et ils ont rapporté l'héritage islamique. Urwa, rahimahullah, faisait partie de Fuqaha al-Madina al-Sab'a min al-Tabi'in. Il faisait partie des sept jurisconsultes de Médine parmi les successeurs. Al-Fuqaha, là, les savants disent que toute la science de Médine se regroupait chez ces sept personnes. Donc ce sont les grandes références qui ont transmis l'héritage jurisprudentiel des compagnons. Il y a bien entendu Urwa, donc celui dont on parle. Il y a Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba, il y a Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, qu'on a cité tout à l'heure, il y a Saïd ibn al-Musayyib, il y a Kharija ibn Zayd ibn Thabit, donc le fils de Zayd ibn Thabit, il y a Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham, et il y a Sulayman ibn Yassar. Donc vous voyez déjà qu'il y a plusieurs parmi les fils des compagnons qui ont transmis leur savoir à leurs propres fils, et ceux-là ont transmis encore le savoir à la troisième génération, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'époque où les savants ont commencé à rédiger les livres et qui ont protégé cet héritage, comme par exemple le Muwatta l'Imam Malik, dans lequel l'Imam Malik a compilé plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite jusqu'au grand recueil de hadiths, ou bien les recueils de fiqh al-islamique. En tout cas, les musulmans à l'époque se basaient énormément sur la transmission verbale du savoir, mais cette transmission se faisait par des gens qui sont aptes, par des gens qui sont fiables, et par des gens qui sont de confiance, et par des gens qui ont été, dont le savoir a été attesté par leurs contemporains, déjà. Parce que dès qu'on voit que quelqu'un a été critiqué par leurs contemporains, automatiquement on dit « Hada da'ifun, hada matrouk, hada le khadu'an, hada wadda'a ». Et tout de suite, donc, on le délaisse et on ne prend pas de chez lui les ahadiths, par exemple. L'imam Ibn Shihab al-Zuhri, cet imam, c'est lui le cheikh de l'imam Malik, un des grands cheikhs de l'imam Malik. Et lui-même était élève de Urwa. Lui-même, il témoigne en disant « Arba'atun wajadtuhum buhura ». Il y a quatre érudits que je considère comme des océans. Un océan de savoir. Arba'atun wajadtuhum buhura, Urwa, wa ibn al-Musayyib, wa Abu Salama, wa Ubaydullah. Donc Urwa ibn Urwa, Saïd ibn al-Musayyib, Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf, le fils d'Abd al-Rahman ibn Auf. Et lui, il ne fait pas partie des sept grands jurisconsultes de Médine. Mais les savants le considèrent aussi comme un grand jurisconsulte, mais pas au degré des sept qu'on a cités. Et enfin, Ubaydullah, qui fait partie des grands fuqaha de Médine. Omar ibn Abdelaziz,
C'est le cinquième calife de l'islam, qui lui-même était un grand savant. Et lui-même était l'élève direct de Urwa ibn Zubair, puisqu'il a résidé à Médine et il a appris chez Urwa. Donc lui-même, il témoigne en sa faveur en disant « Je ne connais pas une personne qui a plus de savoir que Urwa ibn Zubair. » Ça, c'est le calife qui dit ça. « Je ne connais pas une personne qui a plus de savoir que Urwa ibn Zubair. » Et le fils de Urwa ibn Zubair témoignait de son père en disant « Par Allah, il s'agit de son fils Hisham, qui a rapporté le hadith qu'on est en train d'étudier sur lui. » Son fils disait donc « Par Allah, nous n'avons même pas appris le millième des hadiths de mon père. » Nous n'avons même pas rapporté le millième des hadiths de mon père. Lorsqu'il parle de hadith, pas forcément que les hadiths sur le prophète, mais de tout son savoir, de tout ce par quoi il a, de toutes les paroles avec lesquelles il a transmis son savoir, ainsi que les hadiths. Alors, quels qui sont les élèves, ou les grands élèves de Urwa ibn Zubair? Il y a d'abord ses propres fils, 5 de ses fils. Lui, il en avait 7. Il avait 7 fils. Et un a été tué de son vivant, tué par une bête, on en parlera tout à l'heure. Donc ses propres fils ont rapporté sur lui les hadiths. On trouve son fils Yahya, Uthman, Hisham, Muhammad et Abdullah. Il y a son petit-fils, Omar ibn Abdillah ibn Urwa. Lui aussi, il a rapporté les hadiths sur lui. On trouve Ibn Shihab Zuhri. Comme je viens de dire, c'est le maître de l'imam Malik. On trouve Muhammad ibn al-Munkadir, une grande référence dans le fiqh islamique. On trouve Abu Zinad, qui est lui-même le sheikh de l'imam Malik. Lorsque vous allez au bled, le jour du Jumu'ah, vous entendez « Rawa imamuna Malik an Abi al-Zinad ». Donc c'est son chant, c'est « An Abi al-Zinad, an al-A'raj, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, « Ida qulta li sahibika ansit wal imam yakhtubu yawm al-jumu'ati faqad laghawt ». On trouve aussi Atta ibn Rabah. Atta ibn Rabah était la plus grande référence dans la jurisprudence relative au pèlerinage. Concernant le pèlerinage, c'est la plus grande référence dans la jurisprudence islamique concernant ce sujet. Et on trouve Omar ibn Abd al-Aziz, donc le cinquième calife de l'islam. Donc voici quelques noms de ces grands élèves directs. Alors, outre son érudition dans le domaine de l'fiqh, Urwa, rahimahullah, était un excellent poète et il rapportait énormément de poésie. Et ceci, il l'a acquis quelque part de Aïcha radiallahu anha, parce que, n'oubliez pas, Aïcha, il rapportait beaucoup de poésie, la poésie arabe, il l'a maîtrisée, et elle disait elle aussi la poésie, et elle était très très éloquente. Donc Urwa, ayant grandi auprès de sa tante Aïcha, donc il a appris ça d'elle. Et il représente, rahimahullah, une grande source importante et incontournable de la transmission de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'maghazi, des combats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des batailles qui ont eu lieu pendant son vivant. Donc Tariq l'Islam, et surtout l'histoire de l'aube de l'islam et l'histoire du prophète, donc un des plus grands narrateurs de cette histoire, c'est Urwa ibn Zubair, donc quelqu'un de confiance. Et on retrouve d'ailleurs ses narrations et tout ce qu'il a rapporté sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le retrouve dans les anciens ouvrages, les ouvrages de référence de sira, tels que As-Sira de Ibn Hisham, ou bien At-Tabaqat d'Ibn Sa'd, ou bien Tariq al-Rusul wal-Muluk de l'imam Tabari. Et on trouve aussi ces narrations dans des livres qui sont relativement plus récents que ces trois que je viens de citer. On le trouve aussi dans la biographie d'Al-Waqidi, sauf que Al-Waqidi, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Et c'est pour cela la majorité des savants, la majorité écrasante des savants, ils disent qu'un ayada'u al-hadith, il forgeait les hadiths, et donc ce n'est pas qu'une référence chez les savants. Mais on trouve dans son livre des paroles de Urwa ibn Zubair. Et dans d'autres ouvrages beaucoup plus récents, comme l'Isti'ab de Ibn Abd al-Barr, le Maliki de l'Andalus, on le retrouve aussi, ses narrations dans Usdul Ghaba, fi Tariq al-Sahaba de l'imam Ibn al-Athir. On trouve aussi sa narration dans As-Sira de l'imam al-Dhahabi, et aussi dans le Bidaya wa al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, rahimahumullah. L'imam, donc Sayyidina Urwa, rahimahullah, était
un exemple dans sa pratique religieuse, dans sa dévotion. Et son propre fils Hicham rapporte que son père lisait et récitait chaque jour le quart du Coran. Rubu' al-Qur'an. Kana yaqra'u rubu' al-Qur'an fi an-nahar, donc pendant la journée, et il veillait la nuit à le réciter. Yaqra'u rubu' al-Qur'an fi an-nahar wa yaqumu bihi al-layl. Donc ça veut dire qu'il terminait le Coran en combien de temps? En 4 jours. Il lisait le Coran 4 jours, il lisait tout le Coran dans la journée et il le terminait dans la nuit. Chaque nuit, il prie avec le un quart qu'il a récité. Vous allez trouver ça, j'allais dire c'est trop exagéré. Sachez que la majorité des compagnons terminaient la lecture du Coran en 7 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé à Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc il lui a dit, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il lisait le Coran énormément de fois par mois, et il lui a dit, diminue, lis-le en un mois, en 15 jours, en une semaine. Et après il lui a dit, ne termine pas en dessous de 3 jours. Il dit, si jamais tu lis, mais ne termine pas en dessous de 3 jours. Et donc, Urwa, il terminait le Coran tous les 4 jours. Et ça, c'est pas une exagération. Parce que c'est lui qui nous rapporte le hadith là, où Aïcha parle de l'exagération de la pratique de la dame. On va revenir à ce hadith là. Donc lui, s'il rapporte le hadith, c'est qu'il le respecte, c'est qu'il respecte le message du hadith. D'accord? Et si lui, il lit un quart du Coran par jour et il prie avec le un quart du Coran par nuit, c'est que pour lui, c'est pas de l'exagération. Ça, c'est normal. Sachez que quelqu'un qui veut lire le Coran, et avec un rythme un peu accéléré, mais avec une belle lecture, il en a pour 7 heures. 7 heures sans arrêt. Et plusieurs ont fait l'expérience. 7 heures sans arrêt, il termine le Coran. Donc ça veut dire que lorsqu'il termine le 1K, ça veut dire qu'on va dire il faisait 2 heures pour lire le 1K. 2 heures. Il passait 2 heures de la journée à lire le Coran. 2 heures, 2 heures et demie. Et la nuit, il faut compter 3 heures, 4 heures pour atteindre lire la même chose et prier avec. Ouadi, c'est quelque chose qui est normal. Là, c'est pas beaucoup. Au moins, il divisait la nuit en 3. C'est comme ça qu'il faisait. Dormir ou les 2/3 ou le 1/3 pour faire la prière, sinon plus. Urwa, et il jeûnait. C'est-à-dire, on disait que rare lorsqu'on voyait Urwa ibn Zubayr manger dans la journée. Il jeûnait pratiquement toute l'année. Ça, c'est très important de connaître ces détails. C'est pas... Parce que des gens comme ça, est-ce que vous estimez, vous pouvez penser un seul instant qu'ils peuvent mentir, ou la mentir sur le prophète, ou la avoir appris de leur père des mensonges. Ceux qui disent, le Coran c'est n'importe quoi, il est le fils de Zubayr ibn al-Awwam, qui lui a appris ça. Zubayr, qui lui a appris ça, sa mère Asma, qui lui a appris ça, Aïcha. Et vous imaginez tout un instant que ces gens-là sont des menteurs. Et ils se sont tous accordés à mentir, et malgré ça, ils prient la nuit, ils lisent le Coran, ou leurs enfants les voient prier, tout ça. Ben, c'est trop, c'est exagéré. Les gourous, on les reconnaît rapidement. Et les plus proches les reconnaissent, sont les premiers à les reconnaître. Là, ce sont des gens qui connaissaient la valeur de leurs parents, ils apprenaient cette tradition de pratique de leurs parents, et c'est ce qui montre leur fiabilité, et l'authenticité de ce qu'ils rapportaient. Urwa n'a pas voulu s'installer à Médine. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y avait les litiges politiques qui opposaient les musulmans les uns aux autres, donc ce qu'il a fait, il a quitté le centre de Médine et il s'est installé à l'Aqiq. L'Aqiq, c'est un fleuve. En général, il est sec, donc de temps en temps, lorsque la pluie tombe, donc il se remplit d'eau. Mais autour de lui, il y a une vallée. Donc c'est ce qu'on parle de Wadi al-Aqiq. Wadi, c'est une terre qui est bénie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté sur lui qu'il a dit « Atani atin ». Il y a un qui est venu, c'est un ange, soit c'est Jibril, soit c'est un autre ange, et qui m'a dit « Ton Seigneur te demande de prier dans cette vallée bénie ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait des prières dans cette vallée. Et donc c'est pour cela que Urwa, et cette vallée se trouve à 4 km à peu près, un peu moins de 4 km de Médine, en direction de Dhul Hulayfa, de Abar Ali actuel, là où on accomplit l'Ihram. Donc c'est vers l'ouest de Médine. Et donc c'est là où s'est installé Urwa ibn Zubayr, et il a construit ce qu'on appelait à l'époque le Qasr.
Le qasr, si on traduit ce terme-là, c'est le palais. Mais il ne s'agit pas d'un palais. Je vous montrerai quelques photos de ce palais parce qu'on a réussi à trouver les vestiges de ce palais-là et en Arabie Saoudite en 2014. Et ils l'ont reconstitué. C'est en fait une maison sous forme d'un fort, mais pas comme les palais qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà, par rapport à l'époque, c'était quelque chose, une maison qui était très importante. Parce qu'il était, il était riche, parce qu'il a hérité de son père, Zubair ibn Awam, était quelqu'un qui était riche. Et donc, il a constitué ce domaine-là, et il l'a mis donc avec trois esplanades, et dont, devant chaque esplanade, il y avait trois chambres à peu près, une cuisine. Et c'est là où il accueillait ses élèves. Donc, les élèves venaient chez lui pour apprendre la religion. Donc, c'est pour éviter les polémiques à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est que ses élèves qui venaient le voir, ou bien les hôtes qui venaient le voir, et c'est comme ça qu'il les accueillait chez lui. Et il était très généreux avec eux. Et il avait un des jardins les plus grands et les plus fertiles de Médine, notamment avec des palmiers. Et ce qu'il faisait, c'est que le jardin était entouré d'un mur, et lorsque la saison de la récolte arrive, qu'est-ce qu'il faisait? Il ébréchait le mur, il cassait une partie du mur, pour que les gens puissent accéder à l'intérieur. Il leur dit, ben voilà, vous pouvez maintenant pendant toute l'année, il fermait le mur pour qu'il n'y ait pas des bêtes qui rentrent là. Donc, mais dès qu'il y a la saison de la récolte, il ébréchait le mur et il disait aux gens, vous pouvez rentrer, vous prenez, mangez les dattes que vous voulez sur place et vous emportez avec vous ce que vous voulez comme date. Et il l'ouvrait à qui le veut. Et ceci montre sa générosité. Et à chaque fois qu'il entrait dans son jardin, il disait, il récitait le verset coranique qu'on trouve dans sourate Al-Kahf. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc là, ça, c'est pour vous montrer le lien qu'il avait avec le Coran. Lorsque tu as un bien, une maison, des biens, une terre, des choses comme ça, un domaine, donc c'est bien de dire « Ma sha Allahu la quwwata illa billah ». Alors, Urwa est connu pour avoir subi une lourde épreuve. Une épreuve, elle est tellement importante, et il a manifesté une patience tellement exceptionnelle que si l'histoire ou les récits de cette épreuve n'étaient pas authentiques, on ne l'aurait pas cru. On n'aurait pas cru que c'était possible. Mais il y a plusieurs narrateurs qui ont rapporté le récit sur cette épreuve-là d'une manière authentique. Que s'est-il passé? Il y avait le khalifa Al-Walid ibn Abd al-Malik, qui a invité Urwa à venir à Damas, puisque la capitale des Omayyades était à Damas. Donc il l'a invité à venir le voir. Il invitait souvent les savants, les fils des compagnons. Donc il l'a invité chez lui. Et donc Urwa a pris le chemin de Médine jusqu'à Damas. Mais à peine il a quitté Médine, il a remarqué, donc Urwa a remarqué un œdème dans son pied gauche. Un petit œdème. Et bon, il n'y a pas prêté attention, donc il a continué le chemin, mais avec la marche et tout ça, l'œdème a commencé à se développer énormément au point de ne plus pouvoir marcher. Et donc, ceux qui accompagnaient Urwa, parce que lorsqu'il a entrepris ce voyage, il n'était pas seul, il était avec ses enfants, il était avec des gens. Donc, comme il ne pouvait plus marcher, donc on l'a porté. On mettait des planches et on le portait sur des planches jusqu'à Damas. Donc une fois il est arrivé chez le calife, il est rentré dans cet état-là. Donc il a vu son pied, comment il était, l'œdème était grand et tout. Donc le calife était gêné parce que c'est son convive, il l'a invité. Donc c'est comme s'il s'est senti responsable, c'est pendant ton voyage que c'était arrivé. Donc le Walid ibn Abd al-Malik a convoqué ses médecins. Et il leur a dit, regardez ce que vous pouvez faire pour lui. Donc les médecins l'ont ausculté. Et ils lui ont dit, il s'agit de l'akula, de la gangrène. Et il n'y a pas de solution que de lui amputer le pied. Et vous savez aujourd'hui que, par exemple, les gens, notamment diabétiques, si jamais un diabétique est touché, qui a un diabète très avancé, est touché dans le pied, il ne ressent pas la douleur. Donc il peut être blessé dans le pied, il ne ressent pas la douleur parce que les terminaisons nerveuses ne ressentent plus la douleur. Donc ce qui fait qu'il peut rester ainsi sans se rendre compte alors que la blessure
s'élargit, se développe en dessous, mais il ne la voit pas, jusqu'à ce qu'il commence à avoir du sang dans ses chaussures. C'est pour ça qu'on dit toujours aux diabétiques de vérifier leurs pieds bien comme il faut. Et malheureusement, si ça continue comme ça, donc c'est la gangrène et la solution. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que d'amputer le pied, voire même la jambe. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce que ont dit les médecins à Walid ibn Abd al-Malik. Et Walid donc est allé voir Urwa et lui a dit, voilà ce que disent les médecins, il n'y a pas de solution que de couper ton pied, sinon la gangrène va s'emparer de tout ton corps. Et Urwa a dit, ben si ça doit se faire, qu'il en soit ainsi. Les médecins sont venus le voir et ils lui ont dit à Urwa, avant l'opération, ce qu'on te propose, on te propose une boisson enivrante. Parce que, comme un anesthésique, ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, une boisson qui va enivrante pour oublier un peu la douleur ou pour contourner la douleur. Et Urwa a refusé. Il leur a dit, je ne boirai pas ce qui m'empêcherait de mentionner mon Seigneur. Je ne boirai pas ce qui m'empêcherait de mentionner mon Seigneur. Faites ce qu'il faut faire. Et donc il leur a dit, laissez-moi seulement faire quelques raka'at, quelques prières, et une fois je termine et je commence à invoquer Dieu, donc faites ce qu'il faut faire. Et donc c'est ce qu'il a fait, ils ont attendu qu'il termine sa prière, il a commencé à faire des invocations, à évoquer Allah Azza wa Jal, et l'opération a commencé. Et l'opération, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'amputer un pied? Ça veut dire on va utiliser des couteaux pour ce qui est la chair, et une fois on arrive à l'os, c'est la scie. Et ce n'est pas quelque chose qui va durer ni 2 secondes, 3 secondes. Donc imaginez la douleur. Et donc pendant l'exécution de l'opération, tous les présents, y compris Walid ibn Abd al-Malik qui était présent, et Walid d'ailleurs, il était préoccupé par discuter avec quelqu'un, parce que pendant qu'il priait, quelqu'un parlait avec Walid, et tellement il lui a parlé, jusqu'au moment où Walid a senti l'odeur de la brûlure, de quelque chose qui brûle. C'est là où il s'est tourné, il a trouvé qu'ils étaient en train de cautériser le pied de Urwa ibn Zubayr. Ça veut dire qu'ils lui ont coupé le pied et ils ont versé de l'huile brûlante sur le pied pour le cautériser. Mais il a dit, je n'ai pas entendu de cri ni de voix pendant l'opération. Moi, je parlais avec quelqu'un, il n'était pas loin de moi. Je n'ai pas entendu de cri jusqu'à ce que j'ai senti l'odeur de quelque chose qui brûle. Vous savez, pendant l'opération, il n'a pas crié, il n'a pas manifesté dans son visage ce qui laisserait entendre qu'il souffrait. Mais il souffrait de l'intérieur. Mais il ne faisait qu'évoquer Allah Azza wa Jal. Et tous les présents ont rapporté ce qu'ils ont vu. Et au moment où ils ont versé l'huile brûlante sur son pied, c'est là où il s'est évanoui. Mais peu de temps après, il s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a vu le pied, son pied coupé, dans un récipient. Et il s'est adressé à son pied, il a dit, Wallahi, Allah sait que je ne t'ai jamais utilisé pour aller commettre un péché. Et je le sais, Dieu le sait et je le sais. Je ne t'ai jamais utilisé pour aller commettre un péché. Et pendant cette période-là, donc de cette opération et tout ça, parce que ça s'est fait très très vite. Son fils, un des fils qu'il avait accompagné, donc Mohammed en l'occurrence, et c'était le fils qu'il aimait le plus, il était dans les écuries du calife, parce qu'ils aimaient les chevaux, et on lui a dit le calife a beaucoup de chevaux pur sang, donc si tu veux visiter les écuries du calife. Donc lui, il était parti pour voir les écuries du calife, et il est rentré dans les écuries, et il y a un cheval qui il a frappé avec le pied, avec la patte. Et Mohamed est tombé par terre et les chevaux, ils étaient perturbés, ils ont commencé à le piétiner à mort, jusqu'à la mort. Et donc là, les gens, ils étaient gênés. Urwa est en train de passer une opération affreuse, son fils est mort. Donc beaucoup ont caché un peu l'information, le temps qu'il se remette déjà de son opération. Mais il y a un homme qui n'était pas au courant, il croyait que Urwa était au courant de la mort de son fils. Il est rentré le voir et lui a dit, je suis venu pour te présenter mes condoléances. Et le roi lui a dit, mais tu me présentes tes condoléances pour mon pied? Tu viens me présenter tes condoléances pour mon pied, ça y est, je m'en suis remis,
et je compte que sur Allah Azza wa Jal pour qu'il me rétribue dessus. Il lui a dit non, je suis venu présenter mes condoléances pour ton fils Mohammed. Et donc il lui a dit, mais que lui est-il arrivé? Et c'est là que l'homme donc lui rapporta le déroulement de l'événement. Et là, Urwa, dès qu'il a entendu cela, la mort de son fils, il a dit, Seigneur, tu m'as pris un membre et tu m'en as laissé d'autres. Tu m'as pris un membre et un pied et tu m'en as laissé d'autres. Et tu m'as pris un fils et tu m'en as laissé d'autres. Dans une autre version, il a dit, tu m'as donné 7 fils et tu as pris un. Et ensuite, donc, il a dit, In kunta akhadta, laqad abqait. Wa in kunta abtalaita, laqad afait. Donc il a dit, si tu as repris, tu as tant laissé. Et si tu as éprouvé, tu as tant protégé. Regardez la parole de cet homme. Au point que Walid ibn Abd Malik, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, je n'ai jamais vu un vieux aussi patient que celui-ci. Je n'ai jamais vu un vieux aussi patient que celui-ci. Et depuis, donc, cette histoire-là est devenue comme un exemple qu'on cite toujours pour montrer la patience des gens et pour montrer aussi le lien qu'ils avaient avec Allah tabaraka wa ta'ala et l'endurance qu'ils observaient pendant les épreuves de la vie. Lorsque Urwa, rahimahullah, est revenu à Médine, son élève, Mohammed ibn al-Munkadir, lui a rendu visite et il lui a dit, comment s'est déroulé ton voyage au maître? Et Urwa de répondre, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Donc il a repris la phrase qui a été dite par Moussa alayhi salam lorsqu'il était avec son valet, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Et parmi les meilleures choses qu'on lui a dit à cette époque concernant cette épreuve, il y a un de ses élèves qui est venu, il lui a dit, on n'a rien perdu de ce qu'on aime chez toi. On n'a rien perdu de ce qu'on aime chez toi. C'est-à-dire, tu as perdu un pied, mais ce qu'on aimait chez toi, c'est ton savoir. Et le pied n'a rien à voir avec le savoir. Ça veut dire, ce qui nous intéresse est encore chez toi. On n'a rien perdu de ce que tu as perdu. On n'a rien perdu de ce que tu as perdu. Et celui que tu as perdu, وَمَنْ فَقَدْتَهُ فَهُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ سَبَقَكَ إِلَى الْجَنَّةِ. Celui que tu as perdu, c'est une partie de toi. Ça veut dire, ton fils, c'est une partie de toi qui t'a précédé au paradis. Comme une partie de toi qui t'a précédé au paradis. Il a dit, ça c'est la meilleure manière, le meilleur réconfort, la meilleure parole qui m'a réconforté, que j'ai entendu devant cette épreuve. Alors, Urwa était un homme très sage. Et on rapporte plusieurs de ses sagesses sous forme d'aphorismes, hikam. Et parmi ce qu'il disait, rahimahullah, « Rubba kalimati dhullin ihtamaltuha awrathatni izzan tawila. » Des paroles d'humiliation que j'ai supportées m'ont procuré une longue notoriété. Parce que parfois, il se peut que quelqu'un qui n'a aucune valeur t'insulte ou bien il te provoque. Et il a dit, il se peut que parfois des paroles d'humiliation, je les ai acceptées, je ne les ai pas répondues, je me suis comporté avec bonté quand même. Mais ceci m'a procuré une longue notoriété. Parce que les hommes, ils aiment voir des gens qui sont sensés et des gens qui sont patients et qui ne répondent pas aux petits. Et parmi ce qu'il a dit, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةِ فَعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ السَّيِّئَةِ فَعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا وَإِنَّ السَّيِّئَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا. Si tu vois un homme accomplir une hasana, sache qu'il en a d'autres. Il cache d'autres. Ça, c'est une hasana qui est apparue. Et si tu vois un homme commettre une sayyi'a, sache qu'il en a d'autres. Car la hasana désigne ses sœurs et la sayyi'a désigne ses sœurs. Et parmi aussi ce qu'il a dit, cette belle parole, en s'adressant à un de ses fils, Ya Bunay, à ses fils, Ya Baniya, parce qu'il avait l'habitude d'inviter, de rassembler ses fils, à la fin, il leur dit, la nuit, vous venez
yani, vous asseoir devant moi pour vous donner un dars. Donc il leur donnait un dars toutes les nuits. Ya baniya la yahdiyanna ahadukum ila rabbihi azza wa jalla ma yastahyi an yahdiyahu ila karimih. Fa inna Allah azza wa jalla akramul kurama wa ahaqqu man ikhtira lah. Il leur disait donc, fiston, que l'un de vous n'offre pas à son Seigneur ce qu'il aura honte d'offrir à son hôte. Car Allah est le plus généreux des généreux et le meilleur pour qui on doit choisir une offre. Ça veut dire, lorsque tu as un hôte qui vient chez toi, normalement tu présentes le meilleur de ce que tu as, si tu es généreux. D'habitude, les Arabes, on sait très bien, par exemple, dans les campagnes, les villages, lorsque tu vas chez eux, ils vont tout de suite égorger un mouton pour toi ou la... Là, un poulet, un bon coq, ou la chien, c'est-à-dire le meilleur, ils vont te l'offrir. Donc il dit, lorsque tu veux offrir quelque chose à Dieu, offre quelque chose qui est cher, qui est importante. Et il faut que ça, ce que tu vas offrir à Dieu soit plus important que ce que tu offres à un simple homme, à un simple hôte. Si tu es généreux vis-à-vis de tes hôtes, tu dois être encore plus généreux vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est d'une manière générale. Tu veux donner une aumône dans ce qu'il y a le meilleur de chez toi. Parce que là, l'aumône-là, tu sais que tu la mets entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Tu veux accomplir une prière pour Dieu, ou là, un jeûne. Donc présente ce qui est le meilleur de toi. Il y a la meilleure prière, la meilleure concentration dans la prière. Sois pas la tête ailleurs. Lorsqu'il s'agit d'un autre, là, tu prends soin de lui parler, de le regarder dans le visage, tu es concentré sur la discussion que tu as avec lui. Ou lorsque tu es en train de prier devant Allah Azza wa Jal, tu as la tête ailleurs. C'est pas logique. Regardez la profondeur de cette parole. Urwa, rahimahullah, est mort en l'an 94 de l'Hijr. Et cette année, on l'appelle Amul Fuqaha. Ça veut dire l'année où la majorité, une bonne partie de jurisconsultes et de grandes figures sont mortes, comme Sayyidina Ali ibn al-Hussein ibn Ali, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, et le fils de Hussein. Et même s'il n'était pas un grand savant, il est mort en l'an 94. Saïd ibn al-Musayyib, Ahad Fuqaha Seb'a, lui aussi il est mort cette même année, et Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, lui aussi il est mort en cette année. Et donc il a été enterré dans un petit village pas loin de Médine. Donc voici une bonne partie de la biographie de Urwa ibn Zubayr. Maintenant on va commenter rapidement le hadith qu'il a rapporté sur Aïcha. Donc Aïcha, donc Urwa ibn Zubayr rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez moi alors qu'une femme se trouvait chez moi, et il demanda à Aïcha qui est cette femme. Alors regardez ici, Urwa il dit pas, en fait là ce que je viens de dire c'est comme si c'est Aïcha qui parle, le prophète est rentré chez moi. Mais dans le hadith, regardez bien, il rapporte sur Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez elle. D'accord ? Alors qu'une femme se trouvait chez elle. Et il lui demanda, donc qui parle ici ? C'est Urwa. Donc il va rapporter ce hadith avec la signification. D'accord ? Il ne va pas rapporter mot par mot ce que Aïcha a dit. Ce que il va, avec ses propres mots, décrire ce qui s'est passé. Avec ses propres mots, décrire ce qui s'est passé. Ça, c'est important. Parce qu'on va trouver d'autres versions où il rapporte exactement ce qu'a dit Aïcha. Donc on trouvera des versions où il y a plus de détails. Et c'est pour cela que c'est très important de connaître toutes les versions d'un hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a trouvé cette femme chez Aïcha. Et il lui a dit, qui est cette femme? Il lui a dit, une telle. Elle me faisait part de tout le temps qu'elle consacre à la prière. Ce hadith a été rapporté dans ce chapitre-là. Et l'imam al-Bukhari, il l'a également rapporté dans le chapitre As-Salat. Dans le chapitre Salat. Sauf qu'il a rapporté une autre version. Rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit, al-Bukhari, un même hadith, il peut le rapporter plusieurs fois. Mais à chaque fois, soit il va ramener une nouvelle chaîne de transmission, d'accord, ou bien il va ramener un détail qui n'a pas existé dans l'autre version. Mais il va pas le... C'est rare qu'on trouve le même hadith avec les mêmes termes, avec la même chaîne de transmission, rapporté plusieurs fois. Et tout ça, c'est pour que celui qui le lit, donc, va tirer toujours une leçon, là, une moralité, ou là, un point important du hadith. Donc, ce même hadith, le Bukhari, il le rapporte dans un autre chapitre, d'une manière, bien entendu, authentique. Mais dans cette version-là,
l'appartenance de cette dame, la dame là qui était chez Aïcha radiallahu anha, on cite à quelle tribu il appartient. Et dans cette version, il est dit qu'il appartient à Bani Sa'd. Donc ça, c'est une précision qu'on ne trouve pas dans cette version qu'on est en train d'étudier. Ce même hadith, on le trouve rapporté par l'imam Malik avec une autre chaîne de transmission. Et rapporté également avec, par l'imam Muslim avec une autre chaîne de transmission. Et dans ces versions-là, de Malik et de Muslim, on a précisé l'identité de la dame en question, qui était chez Aïcha radiallahu anha. Et il s'agissait de l'Hawla bint Tuwait ibn Habib ibn Asad. L'Hawla, ça veut dire celle qui a le strabisme. D'accord ? Nous savons très bien qu'il est interdit de faire des sobriquets en islam ou de citer quelqu'un par une infirmité qu'il a. Mais si c'est-à-dire quelqu'un a été connu depuis son enfance et on l'a mentionné avec l'infirmité qu'il a depuis l'enfance et que lui il le prend pas mal, donc il n'y a pas de mal. Mais lorsque lui il n'aime pas, dans ce cas il ne faut pas l'appeler comme ça. Et c'est pour ça que vous trouverez dans les traditions islamiques, lorsqu'on parle de l'ahnaf, c'est celui qui a les jambes arquées. Lorsqu'on parle de l'a'mash, c'est celui qui a comme de la conjonctivite sur les cils. On parle de l'a'raj, celui qui boite, l'ahwal ou bien l'hawla, comme ici. Donc ça, vous le trouvez sûrement, c'est-à-dire trop souvent, et ça signifie sûrement que c'est un surnom par lequel cette personne a été appelée depuis son enfance et que ça ne lui posait pas de problème. C'est pour ça que c'est resté dans la tradition. Alors, cette femme faisait partie de l'Muhajirin, et dans les autres versions, il est précisé qu'en fait, comment elle exagérait dans la prière, en fait, elle passait toute la nuit à prier. Dans notre version, Aïcha, il a dit, elle me fait part de tout le temps qu'elle consacre à la prière. Mais de quelle prière s'agit-il? Forcément, ce n'est pas les prières obligatoires, donc c'est les prières surrogatoires, mais lesquelles? Donc, d'autres versions vont préciser qu'en fait, elle passait toute la nuit, elle ne dormait pas. Elle passait toute la nuit à prier. Et dans d'autres versions, donc on trouve « yudhkaru min salatiha ». Dans notre version, « tadhkuru min salatiha ». Elle parle du temps qu'elle consacre à la prière. Dans d'autres versions, on rapporte sur elle qu'elle prie beaucoup, qu'elle consacre beaucoup de temps à la prière. Et dans la version de l'imam Malik, il est dit « فَكَارِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ » Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas aimé ce qu'il a entendu, que cette dame-là passe toute la nuit à prier. Il n'a pas aimé cela au point qu'on a reconnu cela dans son visage. Et on a vu que le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est renfrogné un petit peu, c'est-à-dire il n'a pas aimé ça. Et ceci d'ailleurs est confirmé dans notre version, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, mais, on va expliquer ce que c'est que mais. Et ça veut dire arrête. Arrête. Mais arrête, c'est pas dans le sens. Arrête, ça veut dire arrête de parler et de continuer. C'est pas bien ce que ça a fait cette dame. Arrête de me dire, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé en fait l'exagération qu'observait cette dame dans la prière, de passer toute la nuit à prier. Ensuite, il a dit à Aïcha, « Mah alaykum bima tutiqoun, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. » Donc, arrête, contentez-vous de faire votre possible. Dieu n'arrête pas de vous récompenser tant que vous-même, ne vous lassez pas de pratiquer votre religion. Et ensuite, Aïcha a commenté ce hadith en disant, « La religion la plus agréable au prophète, ou bien la pratique religieuse la plus agréable au prophète était celle qui était appliquée par le fidèle avec le plus de régularité. » Alors déjà, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « mah ». Comme j'ai dit « mah », ça c'est ce qu'on appelle « ismu fi'l ». Ça c'est une spécificité dans la langue arabe. On trouve des noms, on dit c'est un nom de verbe. C'est un nom. Mais il fait référence à un verbe. Ici, c'est un verbe conjugué dans l'impératif. Mais, ça veut dire arrête. Mais arrête d'une manière pas péjorative. Lorsque je te dis arrête, tu ne peux pas comprendre ce que je lui dis d'une manière péjorative ou pas. Lorsque tu dis mais, ça veut dire arrête de parler, arrête de continuer ça. C'est pas... Donc je ne te le dis pas méchamment. Et ça, ce qu'il faut comprendre, la différence entre arrête d'une manière... ou la...
قف ولا تما كاين تمهل ما حسبوك tout ça ce sont ça montre la richesse de la langue arabe. Donc ma on le dit lorsqu'on veut reprendre l'interlocuteur sur quelque chose qui n'a pas nous a pas plu dans ce qu'il a dit. On veut le reprendre, on dit ma ce que tu as dit là ça va pas. Donc voilà, c'est ça le but de cette parole. Ensuite, il a dit alaykoum bima tutiqoun. Et là, il s'adressait à qui? Il s'adressait à Aïcha. Normalement, on devait s'attendre à ce qu'il lui dit alaykounna bima tutiqna. Et au féminin, mais lui il a parlé au masculin. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, ça concerne les hommes et les femmes. Et contentez-vous de ce qui vous est possible de faire. Vous tous les musulmans. Si c'était qu'aux femmes qu'il parlait, il aurait pu dire alaykounna, puisqu'il s'adressait à Aïcha et à cette dame peut-être s'il était encore présente. Alaykounna bima tutiqna. Lui, il a dit alaykoum bima tutiqoun. Donc il veut dire, c'est-à-dire accomplissez des actes, des adorations, que vous êtes capable d'accomplir à long terme et avec régularité. N'accomplissez pas quelque chose qui vous allez l'accomplir avec force aujourd'hui, demain, et après vous arrêtez. Donc contentez-vous d'un minimum qui dure dans le temps. Et c'est ça la remarque de Aïcha à la fin. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fawallahi, je jure par Dieu, la yamallu allahu hatta tamallu. » Si on veut traduire cette phrase mot par mot, qu'est-ce qu'on va dire ? Dire « Je jure par Dieu, Dieu ne se lassera pas tant que vous ne lassez pas. » Ça c'est la traduction mot par mot. Mais est-ce qu'on peut imputer à Dieu la lassitude ? Est-ce qu'on peut dire que Dieu se lasse ? Hacha ! Ou est-ce qu'on peut dire que Dieu oublie ? Hacha ! Et pourtant dit le Coran « Nasullaha fa nasiyahum » Ils ont oublié Dieu et lui il les a oublié. Est-ce qu'on peut imputer la ruse à Dieu? Non, ça ne convient pas. Et pourtant, dans le Coran, on trouve wa makaru wa makara Allah. Yukhadi'un Allah wallahu khadi'uhum. Donc vous voyez, on trouve ça, mais il faut faire très attention. La signification de l'malal, de la lassitude, lorsqu'on l'impute à Dieu, n'a rien à voir avec la lassitude qu'on impute à l'être humain. La signification de la ruse qu'on impute à Dieu, de l'khida, n'a rien à voir avec l'khida qu'on impute à l'être humain. La signification de le makr qu'on impute à Dieu n'a rien à voir avec le makr qu'on impute à l'être humain. La signification de nisyan, de l'oubli qu'on impute à l'homme, n'a rien à voir avec la signification de nisyan qu'on impute à Dieu. Il faut faire très attention. Et c'est là où il faut maîtriser l'arabe pour comprendre les textes. Ça, c'est ce qu'on appelle uslubu al-mushakala. Uslubu al-mushakala. Ça veut dire quoi? Alors, j'avais déjà donné la définition. Al-mushakala, al-balara, dans la rhétorique arabe, dhikru ma'nan bilafdi ghayrihi li wuku'ihi fi suhbati dhalika al-ghayri wuku'an muhaqqaqan aw muqaddara. Bon, en arabe, vous n'allez rien comprendre. En français non plus. J'essaie de le traduire. Citer un sens avec le terme d'un autre sens. Donc citer un sens avec le terme d'un autre sens. Donc ça veut dire citer le sens, citer Dieu avec un sens, imputer à Dieu un sens avec un terme d'un autre sens qu'on impute à l'être humain. D'accord ? Car ils se sont retrouvés ensemble, les deux se sont retrouvés ensemble dans la même phrase de manière explicite ou d'une manière tacite. Ici, c'est d'une manière explicite. Je vous donne une autre définition beaucoup plus simple. C'est, il s'agit d'un terme cité deux fois dans la même phrase avec deux sens différents. Voilà, c'est plus simple. Un terme cité deux fois dans la même phrase mais avec deux sens différents. Donc dans notre phrase, la yamallullahu hatta tamallu. Al-malal a été cité deux fois. Mais le malal qu'on impute à Dieu n'a rien à voir avec le malal qu'on impute à l'être humain. Et c'est pour cela que, dès qu'il s'agit de Dieu, avec des termes comme ça, on doit interpréter la phrase. Sinon, on risque d'imputer à Dieu quelque chose qui ne lui convient pas. Et voilà pourquoi l'imam al-Khattabi, rahimahullah, l'imam al-Khattabi, j'ouvre une guillemets, l'imam al-Khattabi, c'est parmi les premiers qui ont commenté Sahih al-Bukhari.
Sauf que son commentaire n'est pas pareil que les autres commentaires de le commentaire de Ibn Battal, ou bien le commentaire de l'Aini, ou bien le commentaire de l'Kermani, ou bien le commentaire de Ibn Hajar al-Asqalani. En fait, à l'époque, il commentait seulement ce qui nécessitait le commentaire, un commentaire. Donc, de temps en temps, il donne son avis sur ça, ou là, il lève l'ambiguïté sur ça, mais il ne rentre pas dans beaucoup de détails. Mais il était parmi les premiers qui ont commenté Sahih al-Bukhari. Donc lui, il interprète cette phrase en disant فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّ مَعْنَاهَا Dieu n'arrête pas de vous récompenser. Donc voyez, ici, il n'y a pas question de lassitude. Dieu n'arrête pas de vous récompenser tant que vous ne vous lassez pas de pratiquer. Yannine, ça veut dire quoi? Regardez, lorsque par exemple il y a le Black Friday maintenant, et que par exemple une grande enseigne, un supermarché fait des promotions, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, il y a la télévision Samsung Kada va être vendue à 500 euros, il y aura, qu'est-ce qui se passe? Les gens, vous les trouvez à 6h du matin devant le Smith, en train d'attendre l'ouverture qui est à 9h. Pourquoi? Parce qu'il te dit, il n'y a que 4 télévisions. Et nous sommes, donc il faut être le premier, parce que après, et j'en ai pour 2 minutes, le temps de parvenir à la télévision, et après il n'y aura plus rien. D'accord? Et c'est comme si le professeur Hassan dit, la récompense de Dieu, il est immense. Dieu a tous les trésors. Et Dieu ne va pas vous récompenser seulement en une nuit, ou en une seule journée. Alors c'est tous les jours, la récompense elle est là. Donc vaut mieux pratiquer doucement et continuellement, avec régularité, et vous aurez beaucoup de récompenses tous les jours, tous les jours, tous les jours, plutôt que de mettre tout le paquet en un seul jour, et vous aurez de la récompense sur ce jour-là, et après vous fatiguerez, vous ne pourrez plus suivre. Et donc vous n'aurez pas de récompense. Donc Dieu n'arrête pas de vous récompenser tant que vous ne vous lassez pas. Ce n'est pas comme le supermarché qui arrête de mettre de la promotion, même s'il y a beaucoup de monde. Devant le supermarché, il y a 40 000 personnes. Il dit, non, moi, j'ai que 4 télévisions à donner. Non, Allah Azza wa Jalla, il met autant de hasanat que de pratiques que tu vas faire. Donc, travaille à long terme et avec régularité, plutôt que de te précipiter à tout faire en un seul instant. Donc, voici la signification de la phrase. Et ça nous permet de ne pas attribuer à Dieu ce qui ne lui convient pas. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il se lasse. Allah Azza wa Jalla ne se lâche pas. Et Aïcha donc de conclure, وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. Donc la religion, en fait, lorsqu'il dit la religion la plus agréable au prophète, la religion ici, ça veut dire la pratique religieuse. La pratique religieuse la plus agréable au prophète était celle qui était appliquée par le fidèle avec le plus de régularité. Vaut mieux être régulier, même avec un minimum, plutôt que de faire beaucoup une fois et de ne pas continuer à le faire les autres fois. Et je termine avec ces quelques photos. Ne prenez pas celle qui est en haut à droite, ne prenez pas en compte, parce que celle-là elle est d'un autre pays, mais c'est seulement pour vous donner une idée. Ce que vous voyez en haut à gauche, ça c'est les vestiges qu'on a retrouvés de la maison de Urwa ibn Zubayr dans Wadi al-Aqiq en 2014. Donc ils sont revenus au livre où il était situé et tout, et donc on a retrouvé ça, et ils l'ont rénové et reconstitué. C'est ce que vous voyez dans la photo en bas à droite. Donc vous voyez, c'est pas, on l'appelle le Qasr, mais c'est pas le palais comme on le connaît aujourd'hui. Et même dans le bled, ceux qui sont dans le désert, vous savez, on parle de l'Qsora. L'Qsora, ça veut pas dire des grands palais, non, les maisons on les appelle l'Qsora, donc le Qasr. Ça veut dire des maisons qui avaient une certaine construction, donc vous voyez, il y a comme des tours, donc ça ressemble au grand fort quelque part, mais il n'a pas une grande, très très grande surface. Et on disait que le domaine de Urwa ibn Zubayr, il faisait à peu près 30 mètres sur 40, ça veut dire 1200 mètres, et c'est là où il accueillait, donc c'est pas qu'une seule maison, donc un mur sur 1200 mètres, et dedans, donc il y avait 3 esplanades, avec des chambres, un endroit où il donnait les cours, l'esplanade où il donnait le cours, des chambres pour les hôtes si jamais ils veulent dormir chez lui, les cuisines pour préparer à manger aux gens, aux hôtes. Voilà donc de quoi on parle. Et pour ceux qui visitent Médine, si vous pouvez visiter ces vestiges-là, ça vous permettra de se rappeler de ce grand
تابعي عروة ابن الزبير. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.